Bien, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube eProps. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'assemblage de l'hélice à pas variable glorieuse. Hélice à pas variable qui est adaptée donc, au Rotax 912, Rotax 912S, 912IS, 914 et 915 jusqu'à donc 140 chevaux. Grâce à notre système hydraulique, on peut s'adapter sur les configurations 2. Ou 3, donc non prééquipés hydrauliques ou déjà prééquipés hydrauliques. Notre hélice est assemblée donc avec le cône, les vis de cône et les écrous. On va faire une petite pesée de vérification. Voilà, 3475 grammes hélice à pas variable. Donc le contenu des différents cartons, il y aura trois pales, un ensemble avec cône, moyeu, espaceur. Ensuite quelques pièces mécaniques, le bloc électrovan, le cylindre avec le tube de transfert d'huile, un tube d'arrivée d'huile, le tube de retour d'huile, ainsi qu'une pièce, une boîte avec les vis et les pièces détachées, la tige, etc. Une petite boîte avec quelques outils, ainsi que des pièces de rechange. Et enfin, une boîte avec l'instrument. En complément, on aura besoin d'une visseuse, éventuellement maillet, clé dynamométrique, tournevis plat pour les vis du cône, ainsi que des petites pinces, pinces coupantes. Nous allons procéder à la préparation des ensembles. Donc, on peut enlever trois vis qui tiennent ensemble les deux moyeux. On peut mettre de côté les protections du triflex ainsi que les protections des leviers. Le triflex, donc il faut bien voir qu'il a un sens, une partie qui est plus haute que l'autre, la partie haute restera au-dessus. Tout au long du montage, on va veiller à mettre les autocollants de couleur assortis, donc tout ce qui est rouge avec le rouge, que ce soit sur les moyeux, bas, ainsi que le cône d'hélice. On va chercher la pale rouge. Donc, on revérifie le sens. On prend le petit sachet qui comporte les axes ainsi que les colliers.
on vient mettre avec la pince à circlips qui est fournie, les circlips qui tiennent les axes de pales. Là, on vérifie que les circlips sont bien en place dans les gorges. On ramène les vis. On recherche de nouveau, toujours positionner les couleurs ensemble. Pour cette partie, il faut un assistant. Le principe, c'est de tourner les pales d'hélice pour faire lever les leviers, mettre chacun des trois leviers dans les réservations du moyeu pour que ça vienne en place. On vérifie le positionnement des paliers. Idéalement, on peut mettre l'ouverture des paliers vers l'arrière, comme ça on connaît leur position. On ramène les deux moyeux ensemble, on les positionne et on peut commencer à tout revisser. On peut commencer par les 6. Les 6 vis qui tiennent les moyeux ensemble. Donc pour les vis qui sont sous les leviers, bien tourner la pale pour bien visser la vis dessous. Et surtout quand on visse, pas toucher le levier avec l'embout de vissage. Enfin les vis d'extrémité, pour lesquelles on peut tenir l'écrou plaqué sur le moyeu arrière. Lorsque l'écrou tourne, il suffit de le maintenir naturellement avec la clé de 10. Alors une fois qu'on a avancé toutes ces vis, on vient les serrer au couple, donc les dynamométriques, 11 Nm. Voilà, à ce moment-là, les pales doivent rester où on les met sans trop forcer. Ensuite, pour la préparation des biellettes, donc on vient enlever les scotchs mis pour le transport. On vient positionner l'ensemble
pour que les biellettes viennent de chaque côté des leviers. On prend la pochette qui comporte les petits axes. Une fois les axes mis en place, on peut venir mettre les goupilles fendues. Voilà, on rabat bien les deux parties des goupilles fendues autour de l'axe. Avec une pince multiple, plate. Et si besoin, on coupe les parties qui dépassent. Dernière chose à faire pour la préparation de cette partie, on vient prendre la tige et la partie rectangulaire viendra à l'intérieur de la pièce qui tient les trois paires de biellettes. Voici. L'hélice est assemblée, on gardera éventuellement le cône de côté pour ajuster la butée petit pas. Merci.